alma. Minno banta jure galma. Mindo bam tajude, mindo bam tajude, mindo bam tajude. Bonjour à Choupi, Choupi Choupi. Bonjour à Clarinette, Gankyo. C'est le premier à entrer à l'église ce matin. Et Word Office, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Archie. Bonjour à Nyango. Oh, maman Nyango. Dieu te bénisse. C'est extraordinaire. Bonjour à Daniel Nebiti. Amgako. Je peux y être sur Apopo. Bonjour. Apo, 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 Teta. Voilà. Adèle Ega, bonjour à vous. Raymond Essoma, bonjour. Bonne arrivée. Bon réveil. Dorian Tinda, bonjour Dorian. Adèle Ega. Janouya, bonjour. Donella, Laetitia, bonjour. Leopoldine Vera Yumbi, bonjour. Toujours au front. J'espère que ce n'est pas pour afficher après disparaître. Après, vous allez disparition. Bonjour, Arti Josie. Dorian Tinda, on a déjà dit bonjour, je crois. Elsa Sauffe, bonjour, Dorian Tinda. Amen. Arti Josie. Morning to you. We love you so much. And we are glad to share this moment with you, this particular moment with you. Bless the Lord for you, for your lives. Paul Michel, bonjour. Cathy Batomen, bonjour. Batomen, là, ça, ce n'est pas Banen. Batomen. C'est un Banen qu'on nomme. Men, men. Allah bless you. On a qui Zanars Prasis Dorlak. Bonjour. Soulange Kengo, bonjour. Bonjour. Niene Fadimato. Nene Fadimato. Nene Arujam. Nyeti Makadi. Alors, on a Barkajour. Oumi Jam, on yam et on fou. Colette Njadjena. Bonjour. Maria Bomo is watching. Yes, morning. Christian Yanni, bonjour. Voilà. Oh, amen. Là, je reçois vos bénédictions au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est maman Nyango, je dis amen. Bonjour à Adèle. Adèle Higa. Adèle Higa. Yemba Yehe. Adèle Higa. Que Dieu te bénisse aussi. Sois béni au nom de Jésus-Christ, Yanni. Erika. Jome Bela. You're welcome. Bonjour, réveille ton frère et ta soeur, envoie une notification à ton frère et à ta soeur pour lui dire que ça a déjà commencé. Nous sommes dans la présence de Dieu pour bénir notre journée. Tu es nécessiteux, tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu as envie que tes jours soient brillants. Oh, s'il te plaît, rends nos témoignages même déjà. Depuis que tu suis à la lumière des Saintes Écritures, dis-moi comment ça se passe, tes journées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré, quelque chose a changé? Est-ce que vous sentez que... Vous êtes pimpant en sortant le matin, vous sentez que vous êtes chargé, surchargé, survolté par la grâce et la bénédiction de Dieu. Rendez-nous vos témoignages et ça nous encouragera aussi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Connectons-nous massivement. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous exhorte à vous abonner directement à notre page Facebook pour recevoir des notifications. Donc appuyez, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche notification, pam. Et là, vous serez informé à chaque fois que je serai en ligne. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. C'est une matinée spéciale et vous savez, c'est le premier jour du mois de juin, de juillet. Tous ceux qui sont connectés ce matin seront bénis. Ça, c'est la bénédiction. C'est le jour où nous allons posséder la porte du mois de juin. On ne joue pas avec. On possède la porte de ce mois. Seigneur,
Donne-moi le mois de juin. Oh Dieu, donne-moi le mois de juin. Et désormais, je veux prendre très, très au sérieux les premiers jours du mois et les derniers jours du mois. On va avoir des programmes spéciaux. Le premier jour du mois, le dernier jour du mois, pochette. Le premier jour du mois, la clé de ce mois-là. Et le dernier jour du mois, on vient le clôturer dans le nom précieux et souverain de Jésus. Ça veut dire que tout ce que le mois-là voulait laisser le mauvais, on charge ça dans le mois, on bâcle, on dit au mois pas. Après avoir retiré tout ce qui est bien, c'est des opérations spirituelles qui sont une réalité. Mais beaucoup d'hommes ne connaissent pas ça. D'accord, nous allons dire merci à Dieu pour la grâce de voir le 1er juillet 2021. Le 1er juillet 2021. La gloire de Dieu est sur nous. C'est une grâce de voir le premier jour. Ça veut dire que c'est la porte. Dieu nous donne la porte. Seigneur, merci pour ce don. Je possède la porte du mois de juillet. Dans le nom précieux, souverain Jésus. Celui qui possède la porte de son mois possède toutes les grâces et les bénédictions que ce mois contient. Sont dans la prière au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce don merveilleux qu'est le premier jour du mois de juillet. Merci pour cette porte du mois de juillet que tu apportes à nous. Seigneur, nous prenons possession des portes, de la porte du mois de juillet. Nous contrôlons ce mois et nous attendons que les bonnes choses. Seigneur, nous annulons au sein de ce mois tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pour nous attrister, pour nous rendre malheureux, pour nous rendre misérables, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen et le Seigneur t'a béni. Alors nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que ce mois, comme je possède la porte du mois de juillet, Seigneur, je veux que le mois de juillet produise dans ma vie tout ce qu'il y a de meilleur jusqu'ici. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à ce mois, ce 1er juillet, Seigneur, je veux voir aujourd'hui et pendant tout ce mois des choses que je n'ai pas encore vues depuis le mois de janvier jusqu'ici. Seigneur, comble-moi, Seigneur, surprends-moi. Demande à Dieu de te surprendre pendant ce mois de juillet, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Bilaita wa annas parita wa annau galva. Jaraba wa ines promidal frezo. Bremi in aspeta. Seigneur, nous prophétisons et déclarons que ce mois de juillet nous produira ce qu'aucun autre mois n'a produit depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir des choses que nous n'avons pas encore vues. Nous demandons que tu nous surprennes. Sois notre Dieu, le Dieu de notre surprise. Prends contrôle dans notre vie. Seigneur, mène-nous pendant ce mois dans la victoire, dans la gloire, dans la joie, dans le succès, dans la réussite, dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, toute préconisation de l'ennemi en ce mois, nous annulons cela. L'ennemi se réjouira point à notre sujet, au sujet de personne parmi nous. Seigneur, merci parce que le mois de juillet sera un mois de célébration et de fête, un mois de surprise de l'Éternel. Surprends-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, le Seigneur te surprend. Ce mois sera le mois de la surprise de l'Éternel. Nous baptisons le mois de juillet, le mois de la surprise, des surprises de l'Éternel. Oh, alléluia. Le mois de surprise de l'Éternel. Dieu te surprendra. Dieu surprendra ta famille. Dieu surprendra tes enfants. Il surprendra ton mari. Il surprendra ta femme. Il nous surprendra dans toutes nos entreprises, partout où nous irons. Le Seigneur Jésus-Christ nous surprendra. Donc, tu crois en cela, tu dis Amen. Tu dis Seigneur, merci parce qu'en ce mois de juillet, tu es le Dieu de ma surprise. Si tu as fait cette prière avec foi, prépare-toi à de grandes surprises dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons annuler, annihiler, abolir, anéantir et néantiser toutes les prophéties maléfiques, malveillantes, diaboliques et fantomies, fantasmagoriques que le diable avait préparées pour ce mois de juillet. Vous voyez, c'est le premier jour de juillet. On essaye la porte du mois de juillet. Nous entrons dans juillet. Nous disons à juillet au nom souverain de Jésus. Toute préconisation de mes ennemis, toute conspiration de Satan, de mes collègues, de ceux qui sont mes ennemis intimes, au nom de Jésus-Christ, leur plan échoue. Le mois-ci, aucun de mes ennemis ne réussira contre ma vie. Nous sommes dans la prière, annulons tous les pièges, leurs conseils, leurs plans, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Père, tout ce qui a été prévu contre ma vie en ce mois de juillet, le Seigneur Dieu, et mon Dieu, je m'appuie sur ton nom, Seigneur Jésus, et j'anéantis cela. Seigneur, je néantise cela. Ce mois de juin ne sera pas un mois de malheur pour ma vie. Ce ne sera pas un mois de mauvaises nouvelles. Mais Seigneur, ce sera un mois de bénédiction, de grâce. Tout conseil de l'ennemi contre ma vie en ce mois échouera. Seigneur, toute personne qui prépare quelque chose de mal contre ma vie, Seigneur, défends-moi face à cette personne parce que je n'ai préparé aucun mal contre cette personne. Que la méchanceté du méchant retombe sur lui-même. Que la méchanceté du méchant retombe sur lui-même. Et que la justice du juste le sauve au jour du malheur.
Seigneur, 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais, jamais atteints. Au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, leurs plans retourneront contre eux, tout en forgé contre nous en ce mois de juillet. Retourne à l'expéditeur et nos vies sont préservées. Merci Seigneur parce que tu prends contrôle. Je possède les portes de Dieu. Je possède les portes de Dieu et je possède chaque jour de Dieu. Et je prophétise qu'en chaque jour, du 1er jusqu'au 30 au 31, Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus que les plans de mes ennemis échouent. Ils ne réussiront pas. Seigneur, ils n'auront pour salaire que la déception. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, le mois de Jésus sera un mois de déception pour tes ennemis et un mois de gloire pour ta vie. Que l'Éternel te supprenne, que l'Éternel te supprenne, qu'il te supprenne. Nous allons faire un dernier sujet de prière. La Bible dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à mener une vie de sainteté, une vie d'intégrité, une vie de crainte de Dieu. Que la folie, c'est loin de moi. La folie de la chair, c'est loin de moi pendant ces mois de juillet. Seigneur, je veux être une fille réglo avec toi. Je veux être un fils réglo. Seigneur, que ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions te glorifient. Éloigne-moi de tout mauvais chemin. Nous sommes dans la prière au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Bilamita udali saboros men adeikali filias man sagrozen. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ de commun accord avec mes frères que ton esprit nous remplisse. Voulons marcher dans la plénitude de l'esprit en ce mois de juillet. Voulons obéir à tes recommandations. Voulons être soumis à ta parole, à ton esprit. Seigneur, remplis-nous d'un esprit d'obéissance et de soumission. Que ta main forte et puissante nous conduise dans les sentiers de la justice, de la droiture, de l'intégrité, de la vérité, de la sainteté, au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, que la sanctification soit notre revêtement. Éloigne-nous du mal, éloigne-nous du péché, éloigne-nous de l'injustice, éloigne-nous du mensonge, éloigne-nous du vol, éloigne-nous de toute forme de corruption dans le nom précieux et souverain de Jésus et donne-nous d'être des modèles en pensée, en parole et en action dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, l'Esprit de Dieu est dans ta vie et tu seras droit comme ça, comme l'aiguille. Tu vas craindre le nom du Seigneur, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ton affection. Partout où tu seras, la crainte de Dieu sera ton oxygène. Oui, tu craindras l'Éternel ton Dieu dans ton comportement, ton caractère. Tu seras comme ça. Tu seras en conformité avec l'Écriture. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercions le Seigneur ensemble parce qu'il nous a exaucés ce matin. Gloire à toi Seigneur parce que tu nous as exaucés. Nous marchons avec toi et tu marches devant nous. Que ton nom soit béni au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, mes amis, nous sommes en train de parler. Le mois de juillet, c'est le mois des conquêtes. Sous le thème, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le mois où Dieu nous fera faire des exploits avec lui. Partout où tu n'as pas eu des exploits dans ta vie, prépare-toi. Ce mois sera un mois d'exploits pour toi. Nous avons brisé les barrières pendant le mois de juin. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant. Et nous savons que Dieu est notre Dieu. Il marche au milieu de nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous appuyons donc sur ce thème pour confesser les exploits dans nos vies tout au long de ce mois de juillet. Hier, je vous ai parlé de la puissance de la patience. J'ai parlé du second chemin. J'ai parlé encore ce matin de la puissance de la patience parce que la patience est une valeur importantissime lorsqu'on sert Dieu, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voyez. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire à cause de l'impatience. Voyez. Laissez-moi vous montrer une chose. Je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais connu. Je vais te dire ça. Tu n'as jamais su ça. Ça là, ce que je vais te dire là, tu ne connaissais pas ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ce que j'ai dit ici, tu ne connaissais pas ça. Tu ne connaissais pas ça. Sois prêt, hein, parce que tes oreilles, ton tympan risque d'exploser. Ce que je suis en train de vouloir te dire là. Zama inna globo rami, la kurazen sarami, jauta in asma urabana utol fares. La chromi anno barosa in aspromidan. Lo crami dallas paros man alao. La o jao ramin. Excuse-moi, je suis en train de chercher quelque chose. La grâce. Voyez, quand vous voulez enseigner la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur vous apporte là en direct. Et c'est ce genre de choses là. Zamo in grâce. Qu'est-ce qui arrive au téléphone, c'est mon Dieu? Ça, c'est quoi ça? Jamara au Dallas Prazei. Excuse-moi, donne-moi un instant, s'il te plaît.
y a un passage que je chante. Ça, c'est, je te donne. Voilà, c'est bon. Maintenant, s'il te plaît, sois attentif ce matin. J'ai dit que je vais te donner une révélation. C'est une bombe. C'est une bombe. Regardez. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Bien-aimé, écoute-moi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu est sur le point de te surprendre. Dieu veut te surprendre. Et ce mois de juillet, Dieu veut t'amener très loin. Possède avec moi la porte du mois de juillet. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Je parle de la puissance, de la patience dans la marche avec Dieu. Jésus-Christ dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Vous comprenez? Donc, c'est un principe biblique. Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et si quelqu'un est infidèle dans les petites choses, il sera aussi infidèle dans les grandes choses. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas fidèle ici, dans les petites choses ici, quand on lui confiera de grandes choses, il ne sera pas fidèle. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. C'est un principe. Il dit, dans Luc 16, verset 11, il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc si vous n'avez pas été fidèle, vous n'avez pas pu garder les richesses injustes sans toucher, qui vous confiera? Et il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est ça qui m'intéressait. Luc 16, verset 12. Luc 16, 12, la puissance, la patience. Jésus dit que si vous n'avez pas été fidèle dans les choses d'autrui, qui vous confiera les vôtres? Maintenant, quand vous lisez ce passage, la première explication qui va venir dans votre esprit, je vous dis, c'est que si par exemple j'ai ma maison et je te confie ma maison, et ok, je te confie ma maison ou bien mes vêtements, je ne sais pas, n'importe quoi, prends n'importe quoi, et je te confie ma maison, je te dis, ok, prends soin de la maison, s'il te plaît, la maison, c'est moi, je suis en train de voyager, que la maison soit toujours propre. Et que tu te dises que non, quand ce n'est pas ma maison, je peux gâter ça n'importe comment, je peux te dire ça n'importe comment. Le Seigneur Jésus-Christ dit que comme pendant que tu fais ça, tu te dis dans ton cœur que ce n'est pas ma maison, ça peut se gâter. Alors, qui te confiera donc ta maison? Voyez, j'ai eu des problèmes par exemple avec mes fils, mes enfants, certains de mes enfants qui sont à la maison avec moi parce que je leur ai confié des voitures et les voitures ont toujours été gâtées. La voiture part au garage, elle revient en pièces détachées. Il y a des choses qui manquent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune attention de leur part. Et donc la voiture est complètement gâtée. La voiture s'est complètement démembrée. Elle s'est dénaturée. Les pièces ont disparu. J'étais obligé de prendre la voiture pour aller commander des pièces, de nouvelles pièces, pour qu'on remplace ça. C'est-à-dire de A à Z. Et je leur ai toujours dit que mes enfants, écoutez bien. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu... Comment Dieu va te donner ta voiture à toi? Vous voyez, c'est un peu ça. Comment Dieu va-t-il te donner ta voiture à toi? Et un jour, je me souviens que j'ai rassemblé certains de mes enfants qui habitent avec moi pour leur montrer la maison où ils habitent. La maison était méconnaissable. L'odeur, j'ai failli mourir. Ça, quand je dis là, je n'exagère pas. Je suis entré dans leur maison. L'odeur a failli me tuer. Je suis sorti en courant. Je les appelais dehors. La maison blanche était noire. Le lit, sale. C'est-à-dire qu'ils vivaient comme des personnes qui n'ont pas de salaire. Pourtant, ils avaient des salaires. Ils avaient au moins 300 000 par personne. Ils avaient des salaires. Mais ils n'avaient pas un drap qu'ils ont acheté. Non. Ils n'ont pas de rideau. Ils n'ont pas acheté. Même pour se couvrir, ils ne se couvraient pas. La maison était complètement détruite. Et je leur ai dit, regardez. Regardez l'état de cette maison. Si c'est moi qui habitais là-bas, la maison serait propre. Pourquoi? Parce que je connais comment j'ai souffert pour construire cette maison. Et j'ai demandé, est-ce que toi, tu avais une maison? Tu as une maison, une chambre? Chacun dit oui. Ta chambre était comme ça? Chacun dit non. Et Jésus dit donc, je leur ai dit que vous faites ça parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas la chair de votre front qui a conçu. Vous dites qu'on peut gâter, ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous, là, on prend soin. Je leur ai dit que ce genre de cœur, tu n'auras jamais de maison. Tu n'auras jamais, jamais de maison. Puisque Jésus demande que c'est qui va donc te donner? Ce n'est pas Dieu en tout cas. Ça ne viendra pas de Dieu. Donc, c'est un principe. Ouais, c'est un principe. Lorsque Dieu... avant que Dieu te confie ce qui t'appartient, Dieu te confiera d'abord ce qui appartient à autrui. Et il va voir comment tu gères les choses d'autrui. C'est par rapport à ta fidélité, ton intégrité, ta justice, par rapport à ce qui appartient à autrui, que Dieu va aussi te bénir. C'est pour ça que Jacob, en sortant de la maison de Laban, était plus riche que son maître, que son patron, que son employeur. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle dans les affaires de son maître. Et il dit à son maître, je n'ai jamais volé une seule brebis que tu m'as confiée. Jamais. Et Samuel aussi a été rendu puissant en Israël parce qu'il dira à Israël à la fin de sa vie, je n'ai jamais volé la chèvre de quelqu'un, le mouton de quelqu'un. C'est aussi pour cela que Dieu l'a béni, vous voyez. Donc quand Dieu te met quelque part pour travailler, il faut travailler bien. Regardez,
Mais ce n'est même pas ça l'explication que je voulais te donner. Ce que je voulais te donner, le rhématique que je voulais t'apporter, l'Apocalypse que je voulais t'apporter, c'est la révélation que je voulais t'apporter, c'est quoi? C'est que dans ce passage où le Seigneur Jésus-Christ vient de parler, dans le passage ici, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous, laissez-moi te montrer quelque chose. Vous savez, chez les Nigérians, par exemple, au Nigeria, lorsque quelqu'un est un patron, il fait le commerce, il prend des enfants qui travaillent pour lui pendant 7 ans. Ils ont pris ce principe dans la Bible. Tu travailles pendant 7 ans pour ton maître, il ne te paye rien. Tout ce qu'il te donne, c'est la nourriture, le vêtement et de l'eau à boire et à manger et du vêtement. Mais il ne te paye pas ton salaire, il ne te paye pas un salaire, il ne te donne pas 5 francs. Donc tu vas le servir comme on servait les maîtres dans les Saintes Écritures. Et au bout de 7 ans, quand tu as fini de servir la 7e année, donc, soit la boutique où tu travaillais là, il te laisse cette boutique-là. Toi aussi, tu deviens patron, tu n'es plus esclave, il t'a franchi. C'est comme ça que les Nigérians font. Tous nos frères Nigérians, là, comme vous savez, Nigérians chrétiens, côté chrétien, les Igbo et tout ça là. Donc, il te donne la boutique là, il te laisse avec la boutique, ou alors il t'ouvre une boutique neuve. Et il met tout dedans et il te donne cette boutique-là. Il te dit, mon fils, aujourd'hui, je t'ai franchi, tu n'es plus mon serviteur. Maintenant, toi aussi, tu es un maître. Il dit, va, toi aussi, deviens un maître. Et il te bénit, il dit, sois grand, sois plus grand que moi. Et puis, il te confie. Ou alors, il te donne l'argent équivalent à ouvrir une boutique et il te libère et tu n'es plus son esclave, tu n'es plus son serviteur. Il te dit, va. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Alors, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ ne parle même pas de ça. C'est que ça, c'est la première explication. La deuxième explication que les gens ne connaissent pas, que toi-même tu ne connais pas, c'est que les gens, les hommes sont emboîtés les uns sur les autres. Les destins des hommes sont emboîtés les uns dans les autres. J'ai dit encore, je me répète, les destins des hommes sont emboîtés les uns dans les autres. Vous comprenez? Laisse-moi te montrer une chose. Par exemple, ça, c'est ma pâte dentifrice. Et ça, c'est le carton de la pâte. Ouais, c'est le carton de la pâte dentifrice. Alors, voilà comment c'est comme ça. Quand vous voyez la boîte comme ça, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une brosse à dents dedans. Écoute bien, il y a une brosse à dents dedans. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas la brosse à dents. Parce qu'en fait, ce n'est pas le règne de la brosse à dents. C'est le carton de la brosse à dents qu'on voit. C'est elle qui est visible, c'est lui qui est visible. Celui que les gens parlent, de qui les gens parlent, celui qu'on adule, celui qu'on exalte, c'est de lui qu'on parle. On voit ce qui est écrit dessus, on parle de ça, on regarde la boîte. C'est la boîte qu'on voit, ce n'est pas ce qui est dans la boîte qu'on voit. Parce que ce qui est dans la boîte est emboîté dans la boîte. Son temps de sortie n'est pas encore venu. Quand vous allez dans un magasin où on vend donc ce genre de choses aussi, vous n'allez pas voir la brosse à dents. Elle n'est pas révélée. La brosse à dents n'est pas manifestée. Parce que la destinée de la brosse à dents est emboîtée dans la destinée du carton. Ce que vous pouvez voir, c'est ce qui est écrit dessus, tout ce qui est écrit là, les notices, etc. Donc la brosse à dents n'est pas manifestée. Mais un jour vient où on va prendre le carton et puis on ouvre le carton. Pourquoi? Parce que la brosse à dents est restée longtemps silencieuse dans le carton, elle n'est pas sortie d'elle-même. Et puis on sort et on a la brosse à dents. Maintenant, il y a deux choses, et non plus une seule chose. On a le carton qui est reconnu, qui est vu. Et on a la brosse à dents aussi, mais qui vient d'arriver et qui aussi se fait une place, se fait une renommée et qui est vue désormais, on en parle. Donc ça veut dire quoi? C'est comme ça le destin des hommes. Avant que tu ne deviennes une brosse à dents, avant qu'une brosse à dents ne tombe dans ta main, elle a passé des années et des années dans un carton caché. Avant qu'elle ne devienne indépendante, qu'elle ne soit utile dans tes toilettes, parfois même elle devient tellement utile que le carton, on n'en parle plus parce que son époque est arrivée. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est né pour vivre seul, pour réussir seul. Ça n'existe pas. Ton destin, Dieu va toujours l'emboîter dans le destin d'une autre personne. Ta vie sera toujours emboîtée dans la vie d'une autre personne que tu dois servir. Et quand tu as fidèlement servi cette personne, le temps vient, un jour vient où Dieu te récompense des loyaux services. Tu étais caché, ta vie était cachée par la vie de cette personne-là. Un jour donc Dieu te révèle, il te manifeste parce que tu as été serviteur loyal et fidèle de celui de la destinée que Dieu a prise comme étant une destinée mentor. Voyez, il y a ce qu'on appelle destinée mentor. La destinée mentor, c'est-à-dire la destinée maîtresse, celle qui t'enseigne, celle qui te forme, celle qui est comme la locomotive, qui va te tirer jusqu'à un certain niveau, et pam, elle te lâche et puis tu prends ton envol. Donc,
La manière dont tu vas servir ta destinée locomotive, celui qui représente ta destinée locomotive, va dépendre de comment ta destinée sera. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu te met sur une destinée locomotive, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à qui Dieu t'a attaché et Dieu veut que tu sois loyal dans ta manière de servir cette personne. Lorsque tu échoues dans ta manière, dans ton lien, ton rapport, le rapport de ton destin, ta destinée, la destinée de cette personne, alors je te dis la vérité, ta vie ne sera pas un succès, elle ne sera pas une joie. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont malheureuses dans les séparations. Lorsque la séparation destinée arrive, parce qu'il y a toujours un moment où il y a séparation de destinée, où Dieu te sépare de cet homme ou bien de cette femme-là. Et en ce moment, regardez par exemple Lot. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner dans les Écritures. Vous verrez l'apôtre, vous verrez Lot. Et je vous dis que parfois, l'impatience nous a beaucoup détruits. Dans nos rapports avec nos destinées locomotrices, l'impatience vient souvent détruire. Lot a été riche. Il était riche, bougrement riche, au point où on ne savait pas entre lui et Abraham qui était plus riche que Lot. Mais en réalité, Lot n'était pas riche. Il n'était pas riche. C'était la richesse d'Abraham, le parfum de la richesse d'Abraham qui a enrichi Lot. Et il pensait qu'il était riche. Pourquoi? Parce que sa destinée était emboîtée dans celle d'Abraham. Voyez. Or, à un certain moment, il était déloyal. Il s'est dit que non, je suis déjà riche. Or, il n'était pas riche. Il s'est séparé. Vous voyez. Il était impatient. Or, il fallait qu'il soit patient. Il devait être patient. Il devait enterrer. C'est-à-dire que c'est Lot avec Isaac. C'est les deux qui devraient enterrer Abraham. Et je pense, vous voyez, et je pense même que Abraham a eu ce problème-là avec Isaac. Et puis il est tombé entre Ismaël, entre les mains d'Ismaël, tout ça là. Parce que l'enfant qui l'aurait consolé, son neveu, était infidèle. Son neveu était impatient. Il est parti. Et quand l'autre est parti, il est mort. Il s'est mal séparé de la destinée locomotrice. Ça veut dire quoi? Que la richesse qu'Abraham portait, c'est la même richesse que l'autre allait porter. Mais il est quitté mal. Il s'est mal séparé. Et c'est pour ça que Jésus demande donc que si tu n'as pas été fidèle dans la destinée qu'on t'a confiée, c'est-à-dire la gestion du destin d'Abraham, la gestion du destin de ses richesses, qui va donc rendre ton destin grand? Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Il n'a pas honoré le destin d'autrui. Il n'a pas été utile au destin d'autrui. Il n'a pas fait grandir le destin d'autrui. Il n'a pas servi à faire exploser, à affermir le destin d'Abraham. Mais il a convoité. Il était un peu mécontent. Il était un peu jaloux. Et à cause de ça, il a dit, moi aussi, je vais aller faire ma destinée. Et il est parti. Il n'a pas compris que pour que ta destinée réussisse, il faut que tu aies tout fait pour que le destin de l'autre, de la destinée de locomotrice à laquelle Dieu t'a lié, puisse réussir. Il faut travailler fidèlement sans aucune ombre de jalousie, de compétition, bien de je sais pas quoi, mais avec humilité, avec intégrité, avec justice. Quand tu fais ça, quand tu as fini ce service, du destin on dit le mot quoi, locomotrice, ça va, de la destinée locomotrice. Alors immédiatement, quand tu sors, Dieu dit que tu as été fidèle dans la gestion du destin d'autrui. Je te donnerai une grande destinée. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Vous verrez par exemple Géasi, qui a été lié au destin. Sa destinée locomotrice était le destin du prophète Samuel, du prophète Élisée. Mais il a été infidèle dans la manière de gérer, hein, le destin d'Élisée. Ça veut dire que, avec toutes les possibilités qu'il avait, au lieu d'attendre fidèlement et servir fidèlement Élisée jusqu'au bout, il n'a pas servi fidèlement Élisée. Il voyait seulement le bien d'Élisée et ses yeux étaient sur la convoitise. Il se disait, moi, je serai grand comme mon maître, je serai grand comme mon père, j'aurai aussi les maisons comme mon père, j'aurai aussi les voitures comme mon père, on va se construire les maisons, on va me donner. C'était un peu sur ça que ses yeux étaient. Il n'était pas concentré à servir son père et attendre que son temps arrive, que Dieu le récompense d'avoir été un participant, un maillon fort dans l'affermissement du destin de son père. Donc, quand tu n'as pas été fidèle et intègre à affermir le destin de la destinée locomotrice à laquelle Dieu t'a attaché, automatiquement ta destinée sera désemparée. Elle sera virevoltante. Tu seras errant. Tu seras comme un dromadaire solitaire des lieux arides, déserts. Beaucoup de personnes qui se sont séparées de la destinée locomotrice de leur vie et qui sont errantes aujourd'hui, réfléchissez bien, tu trouveras que l'homme ou la femme à qui Dieu t'avait lié pour que ta destinée puisse apprendre, pour que ta destinée puisse être dirigée, conduite jusqu'aux plus hautes sphères et être lâchée là-bas pour s'envoler de ses propres ailes, ta relation avec cette personne, tu ne l'as pas bien gérée. Ta manière de servir cette personne n'a pas été bien faite. Et donc, Géasi n'a pas été loyal à la destinée locomotrice, la destinée à laquelle Dieu l'avait attaché, parce qu'en fait, il devait avoir la double portion d'Élysée. Mais à la fin, c'est la lèpre qu'il a eue, vous voyez. Parce que ça, il n'avait pas compris que son destin était élève du destin d'Élysée. Il y a des destinées bébés qui doivent être nourries, pas des destinées qui ont fait leur preuve devant Dieu, pas des destinées matures, des destinées que Dieu approuve. Il y a des destinées que Dieu approuve, il y a des destinées que Dieu désapprouve. Il y a des personnes à qui vous attachez à elles,
Elles sont des personnes désapprouvées. Leur destin a été désapprouvé devant Dieu. Et elles ne peuvent engendrer que des destinées désapprouvées. Il y a aussi des personnes qui ont l'amitié de Dieu, qui ont la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Ils ont cette amitié de Dieu-là et leur destin est approuvé de Dieu. Alors ceux-là, quand vous attachez à eux, c'est pour que ton destin est encore embryonnaire, à l'état embryonnaire, ta destinée est encore à l'état embryonnaire. C'est-à-dire que tu ne connais rien de ces choses, des mystères de la vie. Et donc, c'est que l'héritage de cette destinée approuvée, de cette amitié de Dieu, tout ce que cette destinée a, à la fin t'est donné, quand tu sais fidèlement. De même qu'un Nigérian sert son maître avec fidélité, à la fin son maître lui abandonne la boutique, c'est la même chose. Quand tu sers loyalement une destinée approuvée de Dieu, à la fin cette destinée devient ton héritage. Et tu deviens plus grand que cette personne, que cette destinée, ton destin devient plus brillant que cette destinée. Donc, c'est ça que Jésus-Christ dit donc, si on t'a confié le destin d'autrui, on t'a dit, Dieu te fait entrer dans la destinée d'autrui. Et il te dit, ok, j'ai cette destinée-là, aide cette destinée à être affermie. Et que tu sois infidèle, tu ne réussisses pas à faire en sorte que le destin d'autrui puisse réussir, être affermi, soit glorieux. Et que tu es plutôt jaloux dans le destin où Dieu t'a mis. Tu travailles plutôt pour détruire ce destin, pour déstabiliser cette destinée, pour ternir la gloire de cette destinée. Jésus dit donc, qui va donc te donner aussi une destinée glorieuse ou bien grandiose? Ce n'est pas possible. Il dit que tu n'as pas respecté la loi des destinées locomotrices. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des destinées locomotrices. Donc, il faut comprendre cela. Ceux dans la Bible qui ont honoré la loi des destinées, de la destinée locomotrice ont été bénis. Vous voyez, par exemple, Élisée à côté d'Élie, le garçon a été loyal à la destinée locomotrice. Il a tout fait qu'il rende son père heureux. Il a tout fait qu'il fasse que son père, la renommée de son père grandisse encore. Il n'a rien fait contre son père. Et donc, il a reçu la double portion. Son père est parti, il lui a laissé le manteau. Vous voyez, il lui a laissé le manteau. Or, ce manteau, Élisée faisait tout pour qu'il demeure propre, que son père le porte. Il n'a jamais songé que celui qui porte le manteau, il n'a jamais rêvé que le manteau était sur lui. Il a été fidèle dans les choses d'autrui et Dieu lui a confié ses propres choses. Écoutez, mes amis, tant que tu n'es pas fidèle dans les affaires qui ne te concernent pas, dans les affaires qui ne t'appartiennent pas, dans les affaires d'autrui, Dieu ne te confiera pas tes affaires à toi. Et je peux témoigner de tout mon cœur devant le Seigneur et Jésus-Christ m'en est témoin et le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que ce que je dis est la vérité. J'ai servi beaucoup d'hommes de Dieu. J'étais assis au pied de plusieurs hommes de Dieu. Je n'ai jamais été infidèle à un de mes pères. Ça, Dieu m'est témoin. Jamais. Je n'ai jamais manqué de respect ou parlé avec des involtures à l'un de mes pères. Je n'ai jamais été infidèle dans la gestion de la destinée de mes parents. Non. J'ai toujours été loyal. Je me suis soumis. J'ai lavé leurs pieds. J'ai nettoyé leurs chaussures, j'ai ciré leurs chaussures, j'ai amené leurs chaussures chez les cordonniers, j'ai amené leurs pantalons, leurs vêtements chez les tailleurs, j'ai lavé le vêtement, j'ai repassé le vêtement, j'ai servi mes pères à table. Vous comprenez, je les servais à table. J'apporte de l'eau, ils lavent les mains, je donne l'eau à boire, je prépare et je sers à table. Je l'ai fait pendant des années, pendant toute mon enfance et Dieu a vu mon cœur. Et je n'avais jamais convoité les vêtements de mes parents spirituels, des pasteurs, parce que j'ai vécu sous beaucoup de pasteurs. Jamais convoité leur argent, leur richesse. Il y en a avec qui j'habitais, ils mangeaient à table avec leur famille, c'est-à-dire que leur femme et leur enfant et moi, ils mettaient de côté et ils ne me donnaient même pas à manger. Je ne mangeais pas le repas. Parfois, ils mangeaient de la nourriture bien préparée. Et moi, on me donnait le beignet, un beignet de 50 francs. Et je le faisais avec joie. Dieu me témoin. Seigneur Jésus, tu es témoin. Tu me connais. Tu connais mon cœur. Je n'avais jamais convoité leur table. Je ne m'étais jamais plaint devant Dieu. Que pourquoi est-ce qu'eux, ils me maltraitent? Pourquoi eux, ils mangent comme ça? Et moi, je mangeais le beignet. Je ne l'avais jamais fait. Dieu me témoin. Toute ma prière, c'était Seigneur, à la fin de tout ceci, je demande une seule chose, le manteau qui est dans la vie de mon père. Et Dieu m'a donné plusieurs manteaux. C'est pour ça. Quand vous me voyez prêcher la Bible aujourd'hui en grec, c'est que j'avais un père, j'ai eu un père qui parlait grec. J'ai dit, Seigneur, je veux ce grec. Dieu m'a donné. Vous voyez, l'éloquence que j'ai dans l'explication des Écritures, je n'étais pas comme ça avant. C'est un père à qui j'étais loyal. Et j'ai dit, Seigneur, je veux l'éloquence. Maintenant, l'écriture, l'explication des Écritures, c'est aussi un autre papa que j'ai eu qui expliquait les Écritures. Même un bébé comprenait. Et l'Éternel m'a exaucé. Je l'ai servi fidèlement. Donc, je suis la mixture. Je suis la mixture de plusieurs manteaux. Je suis la mixture de plusieurs grâces. Lorsque tu n'as pas été fidèle dans les choses d'autrui, personne ne te donnera ses propres choses. Lorsque tu te dis que non, ça ne m'appartient pas, je vais garder ça, c'est garde, je m'en fous. C'est pour ça que vous allez voir que les taximen, quand tu vois un taximan entrer dans le dos d'âne, avec le taxi, il entre dans les nids de poules en roue, il te porte, il roule. Le taxi devient comme le cheval ou bien le chameau ou bien les dromadaires du Sahara. Ça veut dire que cet homme, ce n'est pas son taxi. Parce qu'un taximan, pour savoir que la voiture appartient à un taximan, un taxi appartient à un taximan, quand il va entrer dans le dos, là, tu vas te demander que vous allez arriver, mais l'année prochaine, si tu vas arriver à destination, il va doucement.
Il va doucement. Il va doucement. Pourquoi? Parce qu'il connaît combien coûte une rotule. Il connaît combien coûte un bras. Il connaît combien coûte un pneu. Il connaît combien coûte une jambe. Il sait que ça va lui coûter les poches, les mots de poche. Donc, il va doucement parce que c'est sa chose. Il connaît le prix. Il connaît combien il a souffert avant le taxi. Mais les méchants taximens qui roulent, tu lui donnes ton taxi. Après un mois, le taxi doit entrer dans un musée. C'est-à-dire que le taxi fait partie des vestiges du passé. Ce genre de taximan-là n'aura jamais de taxi. C'est ça que la Bible dit. Il n'aura jamais de taxi. Tu n'auras jamais de taxi qui t'appartienne. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu dis, il entre dans le. Il se dit que non, ce n'est pas pour moi. Et ça veut, ça se gâte même. Je veux prendre un autre taxi. Ce genre de taxi, mais là, tu vois, il est pauvre. Même manger chez lui, il n'arrive pas. Même le client là, entre, ne paye pas. On insulte même. Ça veut dire qu'il ne réussira pas dans la vie. Quiconque gâte les affaires d'autrui, parce qu'il se dit que ce n'est pas pour moi, ça veut, ça se gâte, est méchant. Et à cause de cette méchanceté, cette personne aura le salaire de sa méchanceté. La Bible dit, il n'y a point de paix pour le méchant. Le salaire, Dieu donne aussi un salaire pour le méchant. Quand tu fais comme ça, Dieu ne te confiera jamais ce qui t'appartient. Supposons que tu travailles dans une société. Et bien, tu te mets à gaspiller la marchandise parce que tu te dis que ce n'est pas toi qui est en train de dépenser cet argent. Alors, automatiquement, tu n'auras jamais de boutique. Tu n'auras, toi, jamais de magasin. Pourquoi? Parce que tu te dis que ce n'est pas la chose de trouver. Et la même chose, hein, laissez-moi vous montrer, je vais vous raconter une histoire. Lorsque ma maman était mariée, elle était mariée, ça fait très longtemps l'histoire que je vais vous raconter ici. C'est une histoire qui dure déjà peut-être 25 ans, ça fait déjà 25 ans. Lorsqu'elle était mariée, son ex-mari avait sa fille, Nafissatou, qui habitait avec nous. Et puis un jour, on était à la cuisine. Pendant que nous étions à la cuisine, maman servait à manger. Elle a commencé par servir ma petite soeur et moi. Et je sais pas ce qu'elle avait dit à cette fille-là, mais ce n'était pas bien. Dans tous les cas, elle n'avait pas bien parlé à cette jeune fille. Et c'est comme ça que je suis. Je bénis Dieu pour ce cœur. Je bénis Dieu. Je glorifie Dieu. Et c'est comme ça que mon épouse, Mme Shalom Ekane, était. Et je bénis Dieu aussi pour le cœur que Dieu lui a donné. C'était une grande femme. C'est une grande femme. Même dans la Nouvelle Jérusalem, même au paradis où elle est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais le reproche à ma mère sur place. Je lui dis, maman, s'il te plaît, ce que tu viens de dire à l'enfant, si ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que, et en plus, si tu commences par nous servir, nous, tes enfants, et sache que tu nous exposes. Parce que la manière dont tu vas traiter cet enfant qui n'est pas ton enfant, c'est comme ça qu'on va aussi nous traiter dehors, nous qui sommes tes enfants. La manière dont tu fais sur l'enfant d'autrui, parce que tu te dis que ce n'est pas mon enfant, c'est comme ça que tes enfants seront traités. Tout parent qui est méchant avec les enfants d'autrui, tes enfants connaîtront la méchanceté dehors. Dieu ne les défendra pas. Parce que ce sera le salaire du péché de leurs parents qu'ils seront en train de porter. J'ai dit à ma mère que maman, si tu maltraites cet enfant, nous qui grandissons avec les autres dehors, on va aussi nous maltraiter comme ça. Nous allons porter la conséquence de ton péché. Ce que tu nous fais te sera rendu parce que c'est une loi. La loi de l'épée, celui qui tuera par l'épée mourra. Donc celui qui maltraitera l'enfant d'autrui, ses enfants seront maltraités. C'est comme ça. Celui qui honorera les enfants d'autrui, ses enfants seront honorés. Je vous dis la vérité, ma mère s'est mise à pleurer. Sur place, elle a demandé pardon à cet enfant. Et depuis ce jour, lorsqu'elle servait, elle servait toujours cet enfant. Et c'est pour ça que Dieu nous a toujours défendus. Partout où nous étions dehors, ma petite soeur et moi, Dieu nous a toujours gardés. Il nous a toujours justifiés. Il nous a toujours glorifiés. Où les gens voulaient nous humilier, à la fin, la honte est retombée sur eux et nous. Dieu nous a bénis. Regardez ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fidélité à la chose d'autrui, nous avons compris cela. C'est très important. La manière dont tu te comportes avec autrui, c'est comme ça qu'on se comportera avec toi. La manière dont tu traites les choses d'autrui, c'est comme ça qu'on traitera tes propres choses. Un jour, un vieil homme a envoyé un jeune homme lui faire des achats. Et il a donné, supposons que c'était 10 000 francs pour faire les achats. Et le garçon est allé, il a fait des achats, les achats de 3 000 francs. Il est venu, il a dit au vieillard que les achats, c'était 10 000 francs. Et le vieillard lui a dit, merci mon fils, je te remercie. Oh mon fils, je te remercie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Ta maison bénie. Ton aujourd'hui béni. Ton demain béni. Ta tête aux pieds, tu es béni en désordre seulement en haut, en bas, devant, derrière. Dieu bénit. Que Dieu te rende 7 fois ce que tu m'as fait là. Mon fils, ce que tu m'as fait là. Seul Dieu peut te rembourser. Seul Dieu peut te rendre. Seul Dieu peut payer ton salaire. Mon fils, ce que tu m'as fait là. Je te bénis. Je te bénis. Hein. Partout où tu iras, hein. On va te faire la même chose 7 fois, mon fils. Seul Dieu va te récompenser. Et le gars dit, quitte la bête à ma chambre de 7 000. Qu'est-ce que j'ai à ça? Tu me maudis, je t'ai fait quoi? Et il lui a jeté ses 7 000 et parti. Mais le vieux était sincère, il ne savait pas qu'on avait volé son argent. Lui disait simplement que je te bénis, hein, ce que tu m'as fait là 7 fois, 7 fois, on va te faire ça. Ouais, donc, c'est un peu ça, la réalité de la vie. Et les gens, parfois, sont obligés
comme Lot, quand vous voyez là, c'était quoi? C'était l'impatience. Géasi, pourquoi il n'a pas été fidèle et loyal dans la destinée locomotrice que Dieu lui avait donnée? Parce que la destinée locomotrice sous laquelle Dieu te met doit te dire que c'est comme ça que tu seras demain cette fois. C'est comme ça que je vais te faire. Ce que tu auras demain va dépasser ça. Donc c'est une image. Ce n'est pas exactement ce que tu seras demain. C'est-à-dire que prenons le cas de mes enfants qui sont sous moi. Et les richesses, les succès que Dieu me donne, les prouesses que Dieu me donne, les réalisations que Dieu me fait faire, en fait, ce n'est pas ça, votre destin pour demain. Non, c'est plus que ça. C'est ça la vérité. C'est plus que ça. Mais c'est une source d'inspiration pour vous faire comprendre un peu la généalogie de la bénédiction à laquelle le Seigneur va vous exposer dans quelques années. Vous comprenez? C'est ça le principe. Mais ceux qui n'ont pas compris cela, l'impatience les a tués. L'impatience les a poussés à être déloyaux, à la destinée locomotrice, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout perdu à la fin, vous voyez. C'est pour cela que parfois, tu peux être attaché à une personne qui a fait de grandes prouesses, mais ta vie ne ressemble à rien. Voyez un parent qui a reçu, voyez comment ses enfants vivent, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des enfants, voyez leur père, même sur le plan spirituel, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? C'est parce que l'enfant n'a pas été loyal à la destinée locomotrice que Dieu lui a donnée. Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ, c'était la patience. Sois patient. Sois patient, attends le temps de Dieu. Ceux qui ont été patients dans les Saintes Écritures, Dieu les a bénis. Et ceux qui n'ont pas été patients aussi ont perdu. Ils ont perdu gros. Et d'autres sont venus et ils ont pris à la place d'Géasi. Hein. Quand vous voyez, par exemple, Élisée, ce n'était pas la place d'Élisée. Avant qu'Élisée ne soit le fils d'Élie, Élie avait déjà un serviteur. Il avait un serviteur. Donc, mais ce serviteur n'a pas été patient. Et ce serviteur a perdu. Donc, je veux parler, je veux te demander, sois patient dans cette vie. Il y a des choses pour lesquelles tu es prêt à pécher aujourd'hui. Ça veut dire que les choses pour lesquelles tu te corromps, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu va te donner demain. Je vous ai raconté l'histoire d'une de mes mamans qui m'a offert une Mercedes classe E, les 2005, les versions 2005, 2004, 2005. Elle m'a offert cette Mercedes. J'ai aimé cette Mercedes. J'ai investi l'argent dans la Mercedes. J'ai retapé cette Mercedes-là. Et une nuit, pendant que je dormais, en vision, le Seigneur Jésus m'est apparu. Il m'a dit, Ferdinand, la Mercedes, ta maman va te revendiquer. Elle va redemander. 2 ou 3 jours après, mon téléphone sonne. Elle me demande, oui, bonjour, mon fils, ça va? Oui. Comment tu vas bien? Et la voiture va comment? Je dis, très bien, maman. Elle me dit, ok, est-ce que tu peux me ramener la voiture? Je dis, pardon. Elle dit, est-ce que tu peux ramener la voiture? Et la voiture est au garage, on doit te faire refaire le moteur. Je lui dis que la voiture au garage, elle ne peut pas rouler. Et elle m'a dit, porte la voiture, prends une grue, on porte, on ramène. Et je lui dis la vérité, le même jour, je portais la grue, j'ai ramené la voiture chez elle. Vous voyez. Donc, je voulais me fâcher. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Et je ne peux jamais oublier cette leçon. Ne meurs pas pour des choses qui ne ressemblent en rien aux bénédictions, aux grandes choses que j'ai réservées pour toi demain. Donc, on peut dire que la classe E 2005 n'est même pas dans mon programme pour toi, ton projet de vie pour demain. Et c'est vrai, aujourd'hui. La vérité, c'est que même si tu m'offres la classe E 2016, je vais offrir ça à quelqu'un aussi. Je vais te dire merci, je bénis Dieu pour ce don et cette grâce, mais je vais offrir ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que mes missions demandent des voitures solides aujourd'hui qui peuvent m'aider à voyager autant que je peux faire pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, et si je m'étais fâché, et parfois, tu es prêt à mourir pour quelque chose qui ne ressemble, mon ami, qui n'est même pas dans les ordures, la poubelle de tes bénédictions de demain. C'est-à-dire qu'on va aller dans les poubelles de bénédiction que tu as d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. On ne trouvera pas le genre d'homme là, on ne trouvera pas le genre de voiture là, on ne trouvera pas le genre de maison là, on ne trouvera pas. Donc il faut comprendre la vie. Sois fidèle. Quand Dieu te donne l'opportunité d'avoir une destinée locomotrice, ne joue pas avec. C'est-à-dire que prends ça comme l'occasion de préparer ton avenir. Concentre-toi dans la préparation de ton avenir et fais comme tu n'as jamais fait. Sois loyal comme tu n'as jamais été loyal, etc. Moi, c'est ce qui fait l'homme que je suis. Il faut que les gens comprennent ça. Si on te donne le téléphone, c'est te dit, tiens-moi le téléphone, quand je parle, tu casses mon téléphone. Ou bien pour vous qui êtes les bonnes, tu travailles dans la maison d'autrui. Quand ton patron n'est pas là, ou bien quand ta patronne n'est pas là, ta matronne n'est pas là, tu prends son enfant, tu tapes. On voit souvent ça dans les réseaux sociaux. Tu fais de l'enfant le tam-tam. Tu gifles. Tu te venges des parents sur l'enfant. Mon ami, tu viens de sacrifier la vie de tes propres enfants. Tu as sacrifié la vie de tes enfants. C'est fini. Tes enfants seront esclaves des esclaves, pas esclaves des seigneurs ou des maîtres, esclaves des esclaves. Tu viens de sacrifier leur vie, tu as sacrifié tes propres enfants et tu ne seras jamais patron. Tes enfants seront esclaves. Pourquoi? À cause de ta méchanceté, parce que tu n'as pas été fidèle dans la destinée locomotrice que le Seigneur t'a donnée. Dieu peut t'amener à travailler dans une maison. La maison est tellement grande, vaste et riche, parce que Dieu veut te montrer, t'habituer au rythme de vie que tu auras. C'est ça que Moïse en Égypte, il a appris les arts magiques. Les arts magiques, il a appris, c'est pourquoi Dieu voulait déjà le préparer au miraculeux, pour qu'il ne soit pas scandalisé.
Il a appris l'arme militaire. Il était à l'école militaire internationale de l'Égypte. Il est sorti général là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le préparer aux guerres de l'Éternel. Il y a un adage hébraïque qui dit Naftulé Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres de l'Élohim. Donc il faut dire tout simplement que tout ce que Dieu te donne comme destinée locomotrice, c'est pour te préparer à ta grande destinée de demain. La patience. Que Dieu te bénisse. Un instant. Sois patient, j'arrive. Sois patient. Je viens. Ok. Voilà, la patience. La ligne ouverte. La patience, la patience. Rapidement, on va prier. Vous savez que les matins, là, les temps passent tellement vite que je vous dis qu'on ne se, on s'en revient même pas. Tellement, tellement, les temps passent vite. Gouramiwa inna brosh bloqué à dos. Anas Mariana ou Elokin. Voilà, donc je disais que le matin, le temps passe tellement vite que parfois, on ne voit pas. On ne voit pas comment le temps passe. Donc, on va prendre quelques appels rapidement. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle le doigt Le Douala, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu ce matin déjà dans l'enseignement? là. J'ai retenu que nous devons être patients dans la vie et nous devons œuvrer pour le destin des autres. D'accord. Vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Le papa, j'ai un sujet de prière. D'accord, allez-y rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais que vous priez pour moi pour que le Seigneur m'aide à être patient et d'utiliser mon cœur à aider les autres. D'accord. Père, je prie pour ma fille au nom précieux, souverain de Jésus, que l'esprit de patience soit son partage, que ta gloire soit son partage et qu'elle soit patiente au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Possédez la porte du mois de juillet. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le standard est ouvert, il est ouvert. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour. Dadi. Bonjour, Dadi. Voilà, Bonjour, bonjour, Dadi. bonjour, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de ce matin, s'il vous plaît? Oui, j'ai retenu qu'il faut être patient dans tout ce que nous faisons et qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Vous avez un sujet de prière ou un témoignage? J'ai un témoignage et un sujet de prière Ok, aujourd'hui. nous vous écoutons. Alors, on court. Oui, le dimanche 24 janvier, vous avez prophétisé sur les téléphones. Oui. On soulève les téléphones et que le dimanche qui suit, on aura, avant le dimanche prochain, on aura un coup de fil qui va changer notre vie. Alors, le mercredi qui suivait, j'ai eu un coup de fil d'une amie de la France qui me demandait de lui donner mon fils pour qu'il l'amène et qu'il soit sur à son mariage aux États-Unis. Effectivement, ils sont en train de faire les papiers actuellement, mais je voulais donc que vous priez pour lui afin que ce dossier aboutisse. Oh, amen. D'accord. Amen. Père, je prie au nom souverain de Jésus-Christ, toi qui as opéré ce miracle, que la Bible dit que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera jusqu'à son achèvement. Père, amène à l'achèvement cette œuvre au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, ça c'est extraordinaire. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Douala. D'accord, c'est un témoignage ou un sujet de prière? Sujet de prière. D'accord, qu'est-ce que vous avez retenu déjà ce matin? J'ai retenu la fidélité dans, la fidélité dans les petites choses Oui. qui produisent des grandes choses. J'ai la destinée à emboîter dans la vie de quelqu'un d'autre. La destinée à vie de quelqu'un, il faut le servir avec. Oui. J'ai retenu l'histoire de la destinée locomotrice. Oui. 100% à travers l'humilité, l'intégrité, le service et se donner entièrement. Bon. J'ai D'accord. retenu Que Dieu vous bénisse. Alors, votre sujet de prière ce matin, s'il vous plaît. que. Mon sujet de prière ce matin, c'est la percée financière et l'ouverture pour toute ma famille. Père, je prie au nom de Jésus pour la percée financière dans la vie de mon frère. Au nom précieux de Jésus, que sa famille soit bénie, que ta main puissante et forte parle et agisse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va prendre notre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, papa. D'accord. Papa, déjà, je m'excuse parce que ma télé n'a pas permis que je suive l'émission le matin. Mais hier, j'avais suivi l'émission quand vous avez parlé de la seconde route, que nous devons prendre la route principale et isoler la route secondaire. Oui, Ce et matin, tranquille. j'ai voulu vraiment suivre l'émission, mais la télé m'a vraiment. Ça s'est arrêté, papa. D'accord, pas de problème. Ok, pas de problème. Alors, quel est votre sujet de prière? Papa, je vous en conjure, papa. Je veux que vous priez pour moi pour le mariage. Oh. Papa, j'ai mon prétendant là qui depuis, il a dit qu'il devait m'appeler, mais il ne m'appelle pas, papa. Je veux que vous priez pour moi, papa. Si c'est l'homme de votre vie, je prie, si c'est l'homme de votre vie, parce que parfois nous prions et que Dieu est en train de te délivrer d'un bandit, d'un futur bandit, et d'un chef bandit même, et puis toi tu dis non, vraiment le diable m'attaque. Seigneur, si c'est l'homme de sa vie, je prie au nom souverain de Jésus, que cet homme revienne. Si c'est un bandit Amen. qui part, il ne regarde même pas derrière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, papa. Oui, je sais que c'est déjà la prière que vous n'aimez pas beaucoup, mais c'est ça, on est obligé de prier comme ça. C'est ça la prière. C'est pas se marier à tout prix, à tous les prix, par tous les prix, non. Il faut se marier, mais avec la bonne personne, la volonté de Dieu. Allô, bonjour. Ok, la personne est partie. Je vais prendre une autre personne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement ce matin? Allô? Oui, vous avez retenu quoi de l'enseignement de ce matin, s'il vous plaît? J'ai suivi l'enseignement sur comment le papa nous parlait de comment vivre et quand tu fais quelque chose, tu penses faire du mal, pourtant que tu te dis que tu fais à la personne, mais tu ne fais pas à la personne. Et selon D'accord. ce que Alors, votre sujet, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? j'ai le sujet de prière pour mon enfant. Oui, allez-y. Mon bébé, c'est que mon enfant a des problèmes. C'est comme des esprits qui D'accord, j'ai est en fait. compris. Ben, je prie au nom souverain de Jésus que cet enfant soit libéré. Que tout lien maléfique dans sa vie soit détruit au nom précieux et souverain de Jésus. Petit enfant, sois libre maintenant. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. On a un auditeur, un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement ce matin, s'il vous plaît? Pardon? Vous avez retenu quoi de l'enseignement ce matin? Oh, j'ai appris qu'il faut être patient. Et il faut mettre sa confiance en Jésus. D'accord. Alors, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Oui, papa. Oui. Mon sujet de prière, c'est pour je demande à l'Éternel qu'il restaure ma vie. Amen. Père, je prie au nom souverain de Jésus pour ma fille qu'une restauration globale, générale lui soit accordée. Seigneur, étends ta main forte et puissante et accorde-lui cette grâce. Recevez-la au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'émission La Nuit des Écritures. Oui. Oui, j'appelais pour parler avec le prophète Kane. D'accord, qu'est-ce que vous avez retenu déjà de l'enseignement de ce matin? Ok, j'ai pris l'émission en cours, mais j'ai pu retenir de ce que j'ai suivi que c'est une grande bénédiction, surtout quand tu es auprès d'un homme de Dieu, d'être soumis, d'être humble dans le service. Oh, il est parti. D'accord, nous bénissons le Seigneur. Prends ta bouteille d'eau ce matin au nom souverain de Jésus-Christ. Zamora ita udalasa wa anas pramidalikin. Allohim wa ines prodei kalufa ina adros paros. Unsurami Grespo de la Esprahen. Je vais bénir ton mois de juillet. 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 Prends ton nom. Non, les histoires de verse dans les hôtels, si, pardon. Prends ton nom, on va prier. Let us pray. Let us pray. Father, we bless you. Qui est prêt? Qui est prêt pour posséder le mois de juillet, qui est prêt? Tu es prêt? Tu dis seulement, je suis prêt. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez. Aimez la page. Aimez notre page. Et partagez les vidéos aussi, s'il te plaît. Ne pars pas sans avoir partagé la vidéo. Excuse-moi. Hein. Ne pars pas sans avoir partagé la vidéo aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page pour recevoir les notifications pour les directs qui passent souvent sans qu'on ait averti. Voilà. Ouais. Même la bouteille dit que mon ami, aujourd'hui là, ça ne va pas passer.
Ok, merci. Père, au nom souverain de Jésus-Christ, je prie sur cette eau. Présente-nous comme ça à la télé, devant la télé, ou bien ta tablette, ou bien ton téléphone. Mais cette eau. Que, Seigneur, nous arrosons la porte de ce mois, au nom puissant de Jésus. Prenons possession du mois de juillet et sa porte. Père, je prie que cette eau soit sainte, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle devienne chose sainte, parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par la prière. Comme nous faisons l'aspersion à la porte de nos maisons, Seigneur, prenons possession du mois de juillet, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu vas boire un peu de cette eau et tu prends un peu, tu asperges la porte de ta maison, qui représente symboliquement et prophétiquement la porte du mois de juillet. Et l'Éternel te donne la porte de ce mois dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Tous les premiers des mois, à partir de ce moment, nous aurons un culte d'aspersion des portes du mois, de la porte de ce mois. On prend possession de la porte et puis on continue. Que Dieu te bénisse. Ta journée est ouverte. Les portes sont grandes ouvertes. Va et sois grand. Va. Et sois puissant, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, la main de ton Dieu est avec toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, shalom. Rendez-vous ce soir, tous les habitants de Douala, je suis à Douala. Ce soir, on a commencé hier, ce soir, ne manque pas, à partir de 16h, immeuble Camelet, Douala est béni. C'est les assaillés prophétiques, la main de Dieu sur nous, au nom de Jésus-Christ, amen.